surprise, nous voyons quand même que globalement, les agriculteurs du Limousin ne sont pas les derniers de la classe, hein, et donc ils produisent bien. Nous aimerions que dans ces analyses, on puisse avoir des revenus, hein, parce que là, il y a aussi bien, je dis, pas de nous compter, mais combien gagnons-nous, pourquoi partons-nous, pourquoi sommes-nous là? Et peut-être ce qui nous fait peur, parce que dans quelques jours, nous avons négocié une nouvelle PAC, hein, ça ne nous a pas échappé, et ce que nous avons peur, c'est le fait le pourcentage énorme de prairies, hein, qui est allé sur ce Limousin, qui semble-t-il, la Commission européenne a plutôt une proposition de figer ces prairies permanentes, c'est-à-dire que les agriculteurs ne pourraient plus retourner leurs prairies pour faire des céréales, pour faire de la valeur ajoutée. Et donc, quand vous regardez ces chiffres, ça vous fait quelque peu peur. C'est pour cela que nous devons, dans les prochains jours, les prochaines semaines, essayer d'influer sur nos hommes politiques pour changer cela. Et puis peut-être, la surprise du chef, c'est de voir aussi que c'est dans les Limousin que nous consommons le plus de foncier à usage non agricole. Alors ça, c'est la surprise quand même, alors que nous avons l'habitude de dire ici la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze des espaces. Donc là, il faut que les hommes politiques se sensibilisent à cela.